Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée ces jours-ci. Je vous ai regroupé 12 astuces que vous me demandez régulièrement en message privé sur Snap, comment on fait. Donc, dans tous les cas, si vous ne connaissez pas certaines astuces, mon ventre il fait du bruit, c'est chiant. Donc je disais, j'espère en tous les cas, si vous ne connaissez pas certaines astuces que je vais vous présenter aujourd'hui, vous aider si vous ne connaissez pas certaines astuces. Ou si vous les connaissez mais vous ne savez pas comment il fallait faire, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo là. Et surtout, quelle vidéo vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Me dire tout ça en commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Ou alors tout simplement cliquez ici pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout les vlogs qui vont bientôt arriver d'ici un mois et demi. J'ai juste trop hâte, à partir du 29 juin, vous allez avoir 2 vlogs par semaine sur ma chaîne, donc le mercredi et le dimanche à 16h. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas les louper. J'ai des petites surprises pour vous pour les vlogs, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça à partir du 29 juin. Aussi, je vais vous faire pas mal de snap, donc je vous mets juste ici si ça vous intéresse pour me suivre. Et on y va pour les 12 astuces snap. Je vais vous mettre un petit aperçu juste là, donc je vais me décaler. Attendez, voilà. Ce sera plus simple pour vous. Voilà, je suis bien là. Première astuce, comment mettre 2 filtres sur une photo. Allez, c'est parti, on va faire une photo là tout de suite. Bon, ça ira. Déjà, le filtre que j'utilise le plus souvent, c'est tout simplement le premier. Donc, vous tournez vers la droite avec votre pouce. Après, vous allez juste ici. Voilà. Et vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, allez prendre le bonhomme avec une petite couronne d'ange. C'est parti. Voilà. On va le tourner comme ça. On agrandit, on agrandit, on agrandit. Moi, ce qui m'intéresse, on agrandit encore, encore. Voilà. On agrandit encore un petit peu, voilà. Voilà, vous pouvez le mettre au milieu de la photo. C'est assez sympa. Donc, on publie. Voilà. Deuxième astuce, comment mettre une date sur une photo ou une vidéo snap. Et on va faire ça ensemble. On va faire une photo. Après, vous allez vers la droite pour trouver l'heure. Voilà, on a trouvé. Il est 18h. Alors, où je filme la vidéo. Donc, tout simplement, vous cliquez sur l'heure. Voilà, vous avez la date comme ça. Si vous voulez l'avoir d'une autre manière, donc vous cliquez dessus. Voilà, voilà, 18 mai, vous savez, c'est quand j'ai enregistré cette vidéo là. Troisième astuce, comment écrire un grand texte sur votre photo. Donc pareil, vidéo, snap, je vais vous montrer ça tout de suite. Tout simplement, vous allez dans notes, voilà. Après, si vous avez Android, je ne sais pas comment on fait, vous appuyez sur retour, donc ça vous fait descendre le petit curseur. Après vous cliquez sur le petit curseur. Ici, couper ou copier. Donc, on va faire copier. Voilà. Vous retournez sur Snap. Voilà. Et allez, on va faire une petite vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de filmer une vidéo tout simplement pour samedi. J'ai juste trop hâte que vous la voyez. Voilà, la vidéo est faite. Donc, après, moi, je mets souvent mon filtre. Mon filtre, comme d'habitude. Donc, le premier, juste à droite. Et là, vous appuyez sur l'écran. Voilà, vous avez ça. On appuie dessus. Et on fait coller. Et là, vous écrivez ce que vous voulez. Plein de cœurs et des bisous, je sais pas, je mets pas mal de... Là, vous mettez ce que vous voulez. Et si par exemple, je sais pas moi, vous avez assez de place, tout simplement, vous allez en bas et on fait la croix. Voilà pour cette troisième astuce. Quatrième astuce, comment mettre une couleur à chaque lettre de votre message quand vous faites une photo ou une vidéo snap. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je sais pas ce que je vais écrire. Allez. Team... Jadou Family, voilà. Donc après, on clique sur le T tout en haut. Voilà, ça paraît comme ça. Imaginons, je veux le M de Team soit en vert. Donc tout simplement, vous cliquez sur la lettre. On retourne à gauche. Je veux que le M soit en vert. Voilà. Donc, à droite, vous avez la couleur. Donc voilà, j'ai mis le M. Et vous faites pareil pour les autres lettres. Allez, je sais pas moi. Allez, je veux que ce soit Family. On va mettre en jaune. Voilà, tout simplement. Vous avez les couleurs que vous souhaitez. Cinquième astuce, comment mettre les effets snap un peu marrants. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que vous êtes nombreux aussi à me demander comment on fait. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas encore. Donc tout simplement, vous mettez votre téléphone comme ça. Après, vous cliquez au milieu. Vous avez un rond. Donc ce rond-là, il faut rester appuyé dessus. Voilà, j'ai su. Donc dès que vous avez une toile d'araignée, ouais, un truc comme ça, c'est que c'est bon. Donc on va faire quel effet assez marrant. Allez, on y va. Et après, tout simplement, vous tournez vers la droite. Donc le premier effet,
c'est celui que j'adore. Donc généralement, pour avoir ces effets-là, il faut ouvrir la bouche ou hausser les sourcils. Donc là, il est assez marrant, j'adore celui-là. Donc après, il y a celui-là, que j'adore aussi, avec les gros yeux. Trop marrant, là. Coco, toi. Après, il y a celui-là, assez cool. Après, il y a celui-là. Ouh, jamais celui-là, c'est un nouveau, on dirait. Je suis un peu vieille, là. Ouh. Celui-là aussi, c'est un nouveau. Oula, coucou. Yeah. Celui-là aussi, ça a l'air d'être un nouveau. J'avais celui avec les yeux, mais là, avec le nez au niveau des yeux. C'est chelou. Celui-là aussi, il est trop trop beau. Je l'adore. Imaginez-vous, je sais pas moi, sur la plage avec cet effet-là. Il est juste génial. Il est chelou aussi, celui-là. Là, ça, c'est le filtre. Juste génial. Oula, j'ai jamais vu celui-là. Ça, c'est un revenant. J'adore. Là aussi, c'est un petit revenant aussi. Et celui-là, je peux pas le faire, je suis toute seule. Celui-là, je peux le faire. Je vais essayer de trouver une photo. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec vos photos avec cet effet-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça sera assez marrant, je trouve. Donc, il y a ma petite Margot. Oula, ça fait bizarre. Oh. Attendez. Oula, avec Margot, ça fait un peu bizarre. Voilà pour cet effet-là. Deuxième astuce, comment créer des effets vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire ma petite vidéo. Je sais pas ce que je vais dire. Allez. Coucou, vous allez bien? Donc après, tout simplement, vous allez vers la droite. Sans effet. On va faire avec l'effet. Ça, c'est l'escargot. Ça, c'est le lapin. Le lapin. Le lapin, coucou. Et là, en arrière. Et après, si vous allez bien, deuxième astuce, comment partager une photo Snap si vous voulez la mettre sur Twitter, sur Instagram, comme vous voulez, vous la gardez tout simplement dans votre galerie photo. Donc, tout d'abord, on va faire une photo. Donc, je mets toujours mon filtre, c'est chiant. Après, tout simplement, tout en bas, parce que cette astuce-là aussi, vous me la demandez. Juste en bas, donc vous avez le 10, donc les secondes. Vous pouvez changer les secondes. Hein. C'est comme ça. Après, le deuxième bouton, c'est pour l'enregistrer et elle va être tout simplement dans votre galerie photo. Voilà, et maintenant, vous pouvez la partager sur Twitter, Instagram ou même la garder dans votre téléphone. Huitième astuce, comment télécharger votre story dans votre galerie. Donc tout simplement vous allez dans votre story, là c'est marqué ma story, vous appuyez juste à droite, vous avez trois boutons. Et juste ici il y a une petite flèche, donc on appuie et c'est en train de télécharger, comme ça vous pouvez la voir dans votre galerie. Ou tout simplement c'est la même technique de la précédente astuce, si vous avez oublié d'enregistrer votre photo ou votre vidéo de Snap, tout simplement vous cliquez dessus, donc voilà. Et juste à droite, là, près de la poubelle, voilà. On appuie et c'est marqué enregistrer et c'est dans la galerie. Neuvième astuce, comment supprimer une photo ou une vidéo que vous avez fait sur Snap et qui ne vous plaît pas du tout. Tout simplement vous allez dans votre galerie, donc je ne sais pas, allez on va supprimer quoi. Donc tout à l'heure j'ai fait une photo de plat. Donc vous cliquez sur votre photo et juste en bas vous avez une petite poubelle, donc vous cliquez, voilà. Il demande supprimer le Snap, supprimer ou annuler. Supprimer, voilà, c'est supprimé, elle n'est plus dans votre story. Dixième astuce, comment comprendre les emojis qui sont juste à côté des noms de vos amis Snap. Donc tout simplement sur le fantôme, on va juste à droite, voilà. Et après on va sur options supplémentaires, il faut cliquer sur gérer. Et ici il y a emoji d'amis et donc vous avez tous les emojis et la description de ce que ça veut dire. Voilà, il y en a pas mal. Onzième astuce, comment changer le nom de vos amis sur Snap. Donc tout simplement, vous appuyez sur le fantôme et ici, vous avez mes amis. Allez, on va essayer de trouver Luna. Elle est où? J'ai déjà changé son nom, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, allez, ici, il faut cliquer dessus. Il faut cliquer juste à droite, là, avec les noms. Il faut cliquer juste à droite. Et ici, nous avons modifié le nom. Donc vous pouvez rajouter pas mal de choses. Hein. Allez, on va lui mettre une petite fleur. Et maintenant, c'est marqué enregistrer. Et voilà, vous avez la petite fleur qui se trouve juste au milieu. Deuxième astuce, comment voir le nombre de messages que vous avez envoyés
à vos amis et aussi comment voir le nombre de messages qu'on vous a envoyés. Tout simplement, on se trouve juste ici, vous allez dans les messages, donc c'est juste à gauche, voilà. Et après, c'est très simple, il faut cliquer sur Snapchat. Juste à gauche, 911 messages, c'est les messages que j'ai envoyés. Et les 4076, c'est les messages qu'on m'a envoyés. Voilà, les astuces au Snap, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez une autre astuce qui ne se trouve pas dans cette vidéo-là, me dire aussi en commentaire. Me mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce genre de vidéo-là. Promis, il y a quelques semaines, je vous avais annoncé que j'allais faire un live pour les 6000 abonnés. Et oui, je le fais. J'ai juste trop hâte. C'est la semaine prochaine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous inscrire si ça vous dit de papoter avec moi pendant une heure. Et pendant ce live, il y aura certainement des appels vidéo avec la nouvelle mise à jour Snap. J'ai juste trop hâte de voir votre petite bouille et de papoter avec vous. Voilà. Vous pouvez déjà poser votre question sur le lien qui sera en barre d'infos pour le live. Voilà, j'espère en tous les cas que ça va vous plaire et que vous allez être nombreux à ce live. J'ai juste trop hâte. Je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Mouah. Bye. You got that fire.